19 avril il est 3h23 du matin je ne dors pas j'ai publié j'ai mis en publication le blog d'hier pour ce matin 8h euh, là j'ai bouquiné comme vous venez de voir j'ai bouquiné une petite demi-heure j'ai dû lire euh, 3 ou 4 chapitres euh, de mon livre euh, donc miséricorde encore j'avance doucement mais sûrement je me suis accordé une petite demi-heure bouquin. Là, je me remets à Buffy. Je ne suis pas fatiguée. De euh, toute façon, sachant que j'ai les rendez-vous médicaux qui s'enchaînent, le psy va encore me gaver. Euh, donc, c'est un peu compliqué. Je sais qu'il va revenir sur des sujets qui fâchent. Ah, moi, je n'avais plus rien à lui dire. J'ai rien à lui dire. Alors, je vais parler peut-être, mais pour rien dire. Puis en plus, il ne prend pas de notes. Ce me... n'est pas comme les psychiatres qui prennent des notes. Le psychologue, il, il t'écoute parler et... En plus, il a deux tenses, il parle très très doucement. Alors, pour comprendre ce qu'il dit, j'ai du mal. En plus, comme on est chacun un bout de la pièce, euh, c'est compliqué en fait. En fait, c'est compliqué. Donc... Euh... Donc, voilà. Donc là, en tout cas, je me suis mis Buffy. moi ouais, toujours, hein, On ne change pas les équipes qui gagnent. Hein, Buffy contre les vampires, c'est la meilleure série de tous les temps. J'ai mal aux dents. Voilà. J'ai très mal aux dents. J'ai pris un, un médoc tout à l'heure. Euh, J'attends pour démouler euh, mes fondants, quoi, mes tablettes de fondant Je vais peut-être pouvoir démouler la monoï. Citron meringue, en fait, comme je les ai cassés, j'ai essayé de les je sais pas si ça va tenir. Je vais laisser un peu plus sécher là. Je vais démouler la monoïe et je vais laisser un peu plus pour le fruit de la passion parce que ça, ça fait trois heures que ça sèche. Je les ai coulés vers minuit. Moi, euh... ouais, je les ai coulés vers minuit. Euh, j'ai changé les cochons, comme j'ai dit. J'ai changé la cage des quoi changé les cochons d'Inde. J'ai lavé la cage des cochons d'Inde. Euh... Donc euh, voilà ce que j'ai à dire non hein. euh, puis puis voilà hum. donc euh, n'hésitez pas à passer commande parce que moi je travaille mais si personne ne passe commande ça sert à rien et dès que je peux pas le mois prochain mais pas en mai mais peut-être en en juin peut-être en juin. Euh, J'essaierai de passer une grosse commande terre de bougie euh, avec 20 kg de cire parce que si je fais les tablettes, euh, bah, ça m'utilise de la cire. Mais en fait, une tablette est équivalent à 15 fondants. Voilà. Euh, non, deux tablettes est équivalent à 15 fondants. Donc, euh, ouais, je mets la même quantité de cire pour 15 fondants que pour deux, deux tablettes. Donc, à la c'est pas c'est pas perdu. Hein, mais c'est juste que bah, ça m'utilise de la cire un peu plus. Parce que là, moi, j'ai 10 kilos. Euh, j'ai déjà utilisé 3, 4... Excusez-moi. J'ai déjà dû utiliser euh, 3 kilos, peut-être. Non, peut-être pas 3. Peut-être 2,5 kilos. Peut-être 2 kilos. Je ne sais pas. En tout cas, le premier sac se vide. Doucement, mais sûrement. Donc, euh, voilà. Peut-être que 10 kilos, c'était pas assez. Sachant que je vais... <laughs> Recommandé dès que je peux plus de moules à tablette. Voilà. Et aussi, je me suis inscrite euh, pour recevoir des cartouches d'encre euh, dès que je n'ai plus de d'encre. En fait, dès qu'ils veulent que le, le, le seuil d'encre est critique, je reçois des cartouches. Donc, je paye une mensualité euh, de 3,99 euros, je crois. Euh, parce qu'en fait, comme je veux imprimer. Euh, de beaux trucs pour mes pour mes tablettes euh, de beaux de belles images de beaux de beaux noms en fait euh, bah ça me de l'encre parce que c'est de l'encre couleur et là je suis, à, je suis au fin fond quoi je suis au fond des deux je suis en fin des deux cartouches euh, couleur et noir donc là il faut que j'arrête d'imprimer euh, parce qu'il faut que je garde de l'encre pour euh, au cas où j'ai des colis à envoyer des colis moi à envoyer. Voilà, au cas où, euh, parce que bah, si vous passez commande, euh, pour une grosse commande, euh, je peux donc envoyer euh, en colissimo. Euh, par contre, je ne donnerai pas mon Paypal personnel, comme je fais d'habitude, parce que comme j'ai dit, je suis en déficit Paypal. Donc, en gros, si vous me payez un, une, une commande à 15 euros, moi, je pourrais, ah si, là, je pourrais, Est-ce que c'est en temps mais voilà, si vous me faites une commande, que je dois payer en colissimo imaginons vous voulez un brûleur à 10 euros là euh, nah, je pourrais pas je pourrais pas envoyer le colissimo donc j'aimerais mon paypal professionnel mais le, le paypal professionnel c'est vraiment pour shopify voilà c'est pour shopify de base et euh, parce qu'en fait euh, il bloque un peu l'argent de temps en temps là j'ai eu une commande shopify ma seule et unique commande shopify euh, bah, j'ai eu cette commande et en fait, euh, bah, j'ai eu cette commande, mais ça a bloqué l'argent pendant une semaine. Heureusement, j'ai pu envoyer en, en timbre. Voilà, c'était en timbre, c'était pas en colissimo. Euh, parce que moi, j'ai des timbres de 100 grammes et des timbres de 20 grammes. Oui, j'ai fait les, les timbres de 20 grammes personnalisés. Donc imaginez, vous voulez me commander euh, 4 ou 5 fondants, je peux envoyer en, en, en 20 grammes. Voilà, c'est plus, plus besoin d'avoir des timbres, euh, des timbres basiques. Parce que en fait, j'ai fait les timbres personnalisés pour mon entreprise. Donc euh, voilà. Et puis après, bah, sinon, euh, oui je sais, je parle beaucoup entreprise. Mais vous savez que c'est mon travail. Euh, on n'est pas censé parler beaucoup boulot, mais moi c'est mon, mon boulot. Euh, je suis déclarée, je déclare à l'URSSAF. Donc euh, voilà, donc j'ai des, des trucs à déclarer, j'ai des, des trucs à payer, j'ai des taxes à payer. Donc c'est un peu normal que je parle de mon boulot, que j'essaye de me faire connaître. Euh, j'essaye de me faire connaître, donc bien sûr. Vous aurez euh, les fondants parfumés de Nanou sur Facebook. Je vous remets le, le lien ici. Quoi, le, lien. Le, le nom, euh, les fondants parfumés de Nanou sur Facebook. Sur Shopify, c'est aussi les fondants parfumés de Nanou. Mais vous avez tous les liens en barre d'infos. Et sur Etsy, c'est les fondants de Nanou. Parce qu'on a, a un quota, quoi, on a un nombre de lettres à respecter euh, sur Etsy. Donc, je n'ai pas, mettre... <coughs> pas pu mettre les fondants parfumés. J'ai juste mis les fondants de Nanou. Sur Etsy, donc vous avez tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Et comme je vous ai dit aussi, n'hésitez pas à, si vous commandez sur Amazon, je ne sais pas si, je pense que beaucoup consomment Amazon, n'hésitez pas à passer par mon lien affilié qui est en barre d'infos tout en bas. Pas la wishlist, mais le lien affilié en barre d'infos. Donc le lien affilié en barre d'infos, euh, vous avez le lien affilié Amazon, vous cliquez dessus, euh, peu importe ce que vous commandez. Voilà. Euh, dès, que, dès que vous passez par ce lien, en fait, moi, ça me reverse une commission. Et en fait, euh, c'est juste pour me faire gagner un peu plus d'argent. C'est juste pour me reverser une petite commission parce que vous, techniquement, ça vous coûte rien en plus, juste que vous m'aidez à, à gagner un peu d'argent. Voilà, je suis d'accord, c'est pas, c'est pas cool, hein, quoi, c'est pas cool. Ça vous coûte rien en fait. C'est pas comme si vous me donniez de l'argent. Euh, c'est pas vous qui donnez de l'argent, c'est Amazon qui m'ordonne. Euh, donc euh, voilà, c'est juste un petit truc comme ça, c'est pour me faire gagner quelques centimes. Et bien sûr, euh, le mois prochain, donc je paye ma première mensualité de ma première mensualité de la maison d'édition. J'en ai jusqu'à février l'année prochaine. Donc 226 euros par mois. Euh. En espérant que je puisse tenir. De toute façon, j'ai fait les prélèvements mensuels. Euh, donc voilà, donc dim dimensualité, voilà. C'est juste. Euh, juste voilà. Tout ce que j'ai à dire. Et puis, euh, puis voilà. puis Là, je vais regarder les paniers de course. Alors par contre, j'ai demandé à ma mère demain, quoi, tout à l'heure, si elle n'a pas 5 euros, histoire que euh, je m'achète des bouteilles d'eau histoire je m'achète des bouteilles d'eau celle-là au leclerc parce qu'on passe devant le leclerc je vais lui demander si elle a pas 5 euros et puis, et puis voilà si elle a un billet de 5 euh, voilà, je vais essayer de m'arranger avec elle normalement c'est 99 centimes la bouteille on va dire 1 euro la bouteille donc si je prends 5 bouteilles bah, ça devrait aller puis je passerai aux caisses, aux caisses automatiques. Et puis, euh, puis voilà. Déjà, j'ai demandé à ma mère si elle est d'accord de m'avancer l'argent pour 5 euros. Si elle est d'accord, si elle n'est pas d'accord, bah tant pis. C'est juste qu'il me reste que trois bouteilles, quoi. Quatre avec celle-ci. Mais euh, en fait, moi je me sers des bouteilles pour mon café. Il faut que je change les bouteilles automatiquement. Donc euh, là, j'ai ma bouteille de café. C'était la bouteille d'eau, citron, au champ. Mais je préfère largement celle-là. À la pêche, sans sucre, euh, voilà, Nutri-Score euh, B, euh, bon, c'est la eau fraîche de marque repère. Mais je prends qu'à la pêche parce que j'aime trop la pêche. Puis ça change, euh, ça change des eaux euh, style... Euh, bah, ça change en fait, c ça change de l'eau au citron d'Auchan, quoi. Parce qu'à euh, Auchan, on a le droit au citron ou à la fraise. On n'a pas vraiment de choix. Donc, euh, tandis qu'au Leclerc, on a citron, on a fraise, on a pêche... Je crois qu'il y a mangue, un truc comme ça. Moi, je prends que pêche. C'est juste parce que ça me permet de boire de l'eau. Alors, je n'ai rien contre l'eau. Hein. Je bois énormément d'eau, énormément. Beaucoup moins euh, depuis mon opération, mais je bois quand même de l'eau nature. Ça ne me dérange pas. Je sais que certaines personnes avec une opération bariatrique euh, ne peuvent plus boire d'eau nature parce qu'elles trouvent qu'elle a un goût dégueulasse. Euh, je n'ai jamais eu ce souci là. L'eau, pour moi, c'est de l'eau. Euh, avec du sirop ou sans sirop ou aromatisé ou pas aromatisé pour moi c'est de l'eau mais avec un petit goût c'est vrai que ça donne un petit plus et un petit peu un peu un plus gros plaisir un plaisir à boire Parce que j'avoue que je bois par nécessité avant avec le avant l'opération mon diabète n'était pas du tout réglé et en fait euh, je buvais euh, 4 à 5 litres d'eau par jour par jour euh, Je pouvais boire trois euh, bouteilles euh, dans la journée, plus la bouteille la nuit, donc 4 litres. Euh, quoi Non, je buvais euh, deux bouteilles d'un litre 5, litres, donc 3 litres, plus une la nuit, voilà. Je buvais 3 à 4 litres d'eau par jour. Je buvais énormément. Mais ça, c'est parce que le diabète n'est pas réglé. Donc le diabète pas réglé, euh, c'est des soifs incontrôlables. Euh, et là, maintenant, si je bois... Euh, si je bois trois verres d'eau dans la journée, c'est énorme. Mais sachant en fait que comme j'ai mon café, euh, mais c'est le café n'hydrate pas. Le lait, ça hydrate pas. Donc il faut vraiment que je me force à boire du de l'eau. Je sais que dimanche, je suis allée chez mes parents. Je n'ai pas pris ma bouteille de café. J'ai bu énormément de thé. Euh, ma mère a bu thé. Euh, j'ai me suis fait un thé au jasmin. Je me suis fait deux, Roybo deux roybos au caramel. Ils sont trop bons. Ceux-là, ils sont super bons. Alors, limite, euh, si ma mère euh, veut m'offrir quelque chose pour mon anniversaire, je demanderai une boule à thé et le roybos au caramel. Mais là, laisse tomber. Hein. Si elle veut vraiment, euh, je demanderai une boule à thé et le roybos au caramel. Il était une turine, pépite le truc. Et après, j'ai fait un thé au jasmin. J'ai fait un thé à la cerise. Ah, je me suis fait 4 thés dans la journée. Euh, donc, euh, quoi, du moins. Euh, deux Reubos, donc il n'y a pas de théine. Et deux thés, euh, deux thés verts. Attendez. Le jasmin, c'est un thé vert. Je crois que le cerise, c'est un thé noir. Peu importe, on s'en fout du thé, c'est du thé. Et en fait, euh, donc euh, j'ai adoré le Reubos au caramel. Je ne sais pas la marque. Je crois que ça vient de chez d'une chocolaterie, euh, d'un magasin de chocolaterie, euh, un magasin chocolatier euh, qui est pas loin de chez nous, euh, où travaillait une amie à ma sœur. Si je me trompe pas, ça vient de là. Donc limite, il faudrait que ma mère elle y retourne, voilà. Mais ce sera pour mon anniversaire, hein, j'ai le temps. Hein, parce que je lui je demande une boule à thé. Et ce thé là, euh, là franchement, euh, je, je serais trop bien quoi. Il était mais délicieux. Et en fait, j'ai bu ouais 4 T plus euh, quelques verres d'eau. Donc j'ai quasiment bu presque un litre 5 euh, d'eau. Voilà, dans la journée. Donc euh, donc c'était pas mal. Euh, là, j'avoue que mon cou est un peu moins fripé. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quoi que non, j'ai toujours ça là. Mais ouais, c'est vrai que j'avoue que boire de l'eau, c'est essentiel. Mais quand on n'a plus la sensation de soif ni de faim, c'est compliqué. Euh, Je peux en oublier de manger. Mais mon, le bac mon diabète me rappelle de manger. Les hypoglycémies me rappellent de manger. Mais c'est vrai que j'ai déjà passé 48 heures en mangeant deux croissants. J'ai mangé deux croissants, j'ai tenu 48 heures en buvant du café et de l'eau. Euh, donc l'opération ne m'aide pas. Hier j'ai pas mangé ma salade de pommes de terre. J'ai mangé un petit bout de quoi, deux bouts de fromage avec deux cracottes. Euh... Donc voilà. J'avoue que manger c'est très compliqué. Euh, je me prends du plaisir. Alors on va me dire tu fais l'opération mais t'as plus de plaisir à manger. Alors j'avoue je ne fais plus de restaurant parce que ce n'est plus rentable. Avant je faisais les restaurants chinois buffet à volonté. Euh, je me pétais le bid on est d'accord mais maintenant euh, y aller et manger trois nems quoi deux nems et des, des, des du bœuf euh, du bof, euh, aux oignons euh, bah, payer vingt et un balles pour ça euh, ça pique un peu en fait et bon c'est pour ça que ma pote avec qui j'y allais ma juju me dit bah je te propose plus de resto parce que c'est plus rentable en fait chez je... après moi j'ai du plaisir à y aller mais c'est vrai que sortir 21 euros pour rien manger c'est un peu compliqué, mais franchement, si je peux, bah, je leur dirais, euh, je leur proposerai un jour, euh, quand j'aurai de l'argent, je leur proposerai un jour euh, un resto. Je leur dirais, mais t'inquiète, je peux me le payer. Moi, j'ai du plaisir à manger, même si je mange plus les mêmes quantités. On prend du plaisir, on papote, on se fait une soirée entre nous. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus en fait. C'est juste que oui, payer 21 euros pour pas profiter du buffet, ok, mais c'est juste que elle est. Elle, elle profite du buffet, on est d'accord. Mais après, bah, juste que moi, je profite moins. Alors, je prends du plaisir, on est d'accord. Manger au resto, c'est un plaisir. Mais après, c'est plus avantageux quand c'est un buffet à volonté. Quand c'est un buffet à volonté, c'est plus avantageux. Mais tant pis, après, nous, en général, on y va de 20h à 22h30. Hein. On, fait, euh... Donc, on y reste 2h30. On n'a pas... On prend tout notre temps, donc elle déjà, elle mange, elle mange, elle prend son temps, mais elle prend plusieurs fois. Moi, j'avoue que euh, bah, je prends du temps aussi. Je prends mon temps, voilà, puis les, les crevettes de sel-poivre. Bon, les cuisses de grenouille, je ne peux plus trop les manger. Les crevettes de sel-poivre, j'ai du mal à les manger, elles sont vachement épicées, elles sont très poivrées. Avant, je chantais pas tout ça. Maintenant, j'ai développé une un petit, petite euh, intolérance à l'épice. Pourtant j'adore ça les, les les crevettes sel poivre elles sont trop bonnes les cuisses de grenouilles j'adore ça aussi mais les cuisses de grenouilles et la chinoise sel poivre elles sont tellement bonnes mais après euh... après voilà c'est juste que faut savoir ce qu'il faut savoir ce qu'on qu veut manger moi je sais quand je râle, je prends trois raviolis frits crevettes j'ai prendre un m euh, crevettes après je général, je prends des crevettes sel poivre j'en prends 3 ou quatre trois cinq après je vais prendre du bœuf aux oignons si j'arrive à tout manger. Mais voilà, avant c'était euh, 5-6 raviolis frits, des nems, l'assiette de crevettes sel poivre, l'assiette de cuisses de grenouille, l'assiette de bœuf aux oignons, l'assiette de nouilles sautées au poulet, quoi, l'assiette de nouilles sautées aux légumes, plus euh, le wok où je prenais euh, des brochettes, euh, des brochettes japonaises bœuf au fromage. Voilà. C'était la blinde, c'était je me pétais le bid, c'était vraiment le pétage de bide officiel du du, du buffet à volonté, quoi. C'était vraiment, j'avais compris le principe. Mais c'est vrai que maintenant, alors oui, j'ai du plaisir, mais mais voilà, on ne profite plus comme avant. Alors après, c'est mettre 21 euros pour plus... En fait, c'est... Je mets 21 euros, ça ne me dérange pas de mettre 21 euros dans le buffet. C'est juste que bah après, ce n'est pas rentable pour moi parce que je rentabilise pas ce que je mange. Voilà. Après, euh, c'est juste un, un choix. Hein. Chacun se fait un plaisir comme il veut. Hein. Donc, euh... donc voilà. Et donc, euh, donc là, je vais boire un peu d'eau. Voilà. Je vais me remettre sur Buffy. Et je me rends compte que ça fait 20 minutes que je parle. Je suis désolée, je me suis encore lancée dans un blabla pas possible. Euh, je vais regarder si je peux démouler mes mes tablettes de fondant et je vous, je vous dirai si j'ai pu les démouler. Je vous dis à tout. Il est 14h20. Je vous prends maintenant. Je suis réveillée depuis euh, depuis 13h50. Le réveil est dur. Je me suis couchée à 5h30 du matin. Euh, j'ai bouquiné comme vous avez vu cette nuit. Euh, J'ai papoté pendant 20 minutes avec vous. Euh, J'ai pas démoulé les tablettes au final. Je le ferai en rentrant du psychologue. Là, je suis fracassée, je suis au radar, je suis au café. J'ai les cheveux crades. Pourtant, je me les suis lavés avant-hier. Je ne comprends pas pourquoi ils sont si crades. Je ne comprends pas. Mais peu importe, J'ai la laverai ce soir. Et puis, euh, puis voilà, donc euh, là j'attends ma mère à 14h40 pour aller au psy à 15h. En espérant qu'il soit à l'heure et que je sois sortie à 15h, euh, 15h40 maximum. Normalement il a un rendez-vous à 15h45 ce qu'il m'est proposé, 15h ou 15h45. Euh, donc normalement il devrait être. Euh... Bah, il, devrait, euh... il devrait être à l'heure. De toute façon le psychologue n'est. Mais... Le psychologue est à l'heure en général. C'est pas, c'est pas comme les psychiatres. Euh, lui il coupe la séance. Euh, voilà, il dit on va s'arrêter là et tout machin. Donc voilà. Donc là, je suis au café dans ma tasse reine des neiges. Oui, il y a du vernis et une tache de café sur la gueule d'Elsa. folées. Euh, non mais là les cheveux c'est pas possible là les cheveux non mais tout simplement pas possible donc voilà donc là cette nuit j'ai fait des cauchemars euh, j'ai rêvé que alors moi j'ai la phobie des requins depuis les dents de la mer étant petite j'ai la phobie des requins et en fait j'ai rêvé que j'allais dans une croisière et qu'on était entouré de requins et que et que après je sais pas quoi euh... On devait passer, euh, je sais plus ce qui se passait, mais en tout cas, on était entouré de requins. Il euh, y avait des requins partout, il y avait des, des gros requins, hein, genre des gros, 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 pas des petits, hein, des vraiment des gros euh, qui pouvaient bouffer euh, le bateau euh, <laughs> sans problème. Mais en fait, c'est bizarre, c'est un mi-bateau -mi de croisière, mi-sous marin, voilà. Euh, donc, je n'ai pas tout compris. J'ai le nez défoncé, hein, je suis désolée. Donc je n'ai pas tout compris à ce rêve. Alors je sais qu'il y avait des passages où, euh... alors moi j'étais en, en panique totale euh... tout le voyage, voilà. Et puis après j'ai rêvé que j'étais aux États-Unis, euh, pareil, il y avait encore des soucis, je ne sais plus quoi. Euh... J'ai pas tout compris, mais en tout cas, le coup des requins, je suis encore, euh, je suis encore un peu frisson. Euh, parce que bah, j'ai la phobie en fait. J'ai vraiment peur des requins. C'est ma peur. Hein. Je ne vais pas me baigner à la mer à cause de ça. Euh, la dernière fois que je me suis baigné, c'était un bain de minuit. Et il y a un mec, qui est un pote, il me fait Je vois un aileron. Sauf qu'il a pas tilté que j'avais la phobie. J'ai commencé à hurler. J'ai poussé un cri de détresse et je me suis paralysée et là il y a une fille qui fait mais elle était con à hein, la phobie des requins il fait mais je savais pas du tout donc il a dû me porter jusqu'à la jusqu'à la plage parce que j'étais raide j'étais raide raide raide, raide bloqué voilà je bougeais plus j'étais oh. paralysée j'étais paralysée de peur voilà et c'est la dernière fois que je me suis baignée je ne me suis pas rebaignée depuis j'ai vraiment la phobie donc j'avais j'avais quinze ou... ou 16 ans à ce moment-là à plus <coughs> Quoique peut-être 17 ans, moins de 20 ans en tout cas. Donc je ne me suis pas rebaignée depuis. Hein, donc vous pouvez voir qu'à presque 35 ans. Euh, pourtant, avant, j'adorais la mer. Mais pourtant, bah après, j'étais jamais seule. Mais voilà, le fait que, que j'ai vu les dents de la mer à 6 ans. Euh, on va me dire, mais dans de la mer, on sait que c'est du carton, papier mâché et tout. Mais à 6 ans, on ne pense pas à ça. À 6 ans, on pense à. Putain, ils se sont fait bouffer quoi. C'est voilà, vraiment très particulier. Voilà donc moi euh... donc bon, je finis mon café et je reprendrai après le, le psy salut Re, il est 19h13 je vous reprends maintenant <laughs> je me suis assoupie après le psychologue donc on allait faire des courses avec ma mère euh, après le psychologue j'ai pris 5 bouteilles d'eau 2 bouteilles de Mighty à la Myrtille une bouteille euh, basique de thé euh, d'un litre euh, de la marque Leclerc euh, style Mighty justement je me suis pris euh, des radis, du sirop à la pêche euh, et, euh, et un sandwich et des compotes. Donc oui, j'ai bien dépensé l'argent de ma mère parce que c'est ma mère qui a payé. Elle m'a dit de toute façon si c'est pour 15 euros, euh, ça sera offert. Voilà, tu n'auras pas besoin de me rembourser. Donc voilà, c'est gentil à elle. Euh, et puis après, moi, donc je suis rentrée, j'ai rangé mes courses. J'ai voulu démouler mes fondants. Je les ai encore cassés, donc j'ai remoulé les fondants. Et euh, je me suis posée sur mon lit, je me suis assoupie jusqu'à 18h15. Encore ça allait, j'avais mis un réveil à 18h30 au cas où. Euh, au cas où, parce que je savais que si je me posais sur mon lit, j'avais les, tous les risques de m'endormir. Je suis fracassée morte hein, totalement. Voilà, je suis au bout de ma vie, je suis crevée carpette. Euh, donc là, je suis au téléphone avec Jeanne, elle doit me rappeler d'ici quelques minutes elle essaie essayer de joindre quelqu'un. Euh, donc moi les fondants, bah, pour l'instant j'essaye de trouver une astuce pour démouler les tablettes sans les casser, mais c'est hyper fin et hyper euh, hyper, euh, hyper fin et hyper, euh, hyper fragile. Donc j'arrive pas à trouver encore la technique. Il faudrait vraiment que je trouve la technique pour les démouler. Là je vais laisser poser encore euh, une heure. Euh, moi j'ai pas encore mangé, mais je vais si j'ai mangé un peu mon sandwich. Euh, je vais manger un peu de radis. J'ai encore mon café à boire que je n'ai pas bu euh, en, rentrant, en rentrant du psy. Je me suis fait un café, j'en ai bu que la moitié. Donc je vais finir ma tasse avec mes médocs. Et puis, euh, puis voilà. Donc euh, je pense que je vous reprendrai plus tard pour clôturer le vlog. Euh, sinon, le psy, euh, pour dire, on a parlé. quoi, Du moins, j'ai parlé, il m'a écouté. Euh, on abordait le thème de mon agoraphobie, que je voulais m'en sortir. Voilà, et aussi que euh, que je voulais m'en sortir et que euh, je voulais m'en sortir et que voilà quoi, j'avais cette volonté de vouloir m'en sortir. Donc il m'a dit déjà c'est un bon point. Et en fait la semaine prochaine ma mère n'étant pas là, je n'y vais pas. Il m'a dit bah dans ce cas-là on se fait un entretien téléphonique. La semaine d'après c'est lui qui est pas là et la semaine du 8 mai c'est ma mère qui n'est pas, pas là. Donc ça va être galère. J'ai demandé à ma mère ces dates euh, où elle est disponible euh, pour qu'elle puisse, euh, pour que je puisse retourner. Sinon, on fera encore des rendez-vous téléphoniques parce que si je n'ai pas de moyens de, de transport, je ne peux pas y aller. Comme je lui ai expliqué au psy, euh, très compliqué pour moi, je ne prends plus les transports en commun. Euh, il a compris, hein, il a compris que je ne prenais plus les transports en commun. Quand je sortais juste accompagnée, euh, là dans le magasin, j'ai perdu ma mère, j'ai commencé à paniquer. Voilà, je cherchais ma mère partout, je ne la trouvais plus. Parce qu'en fait, euh, j'étais partie me euh, prendre un sandwich, elle était aux tomates, euh, le temps que je me retourne, elle avait disparu. Voilà, donc je l'ai cherché, je sais, bah, elle devait aller au thon et aux haricots au verts. Et cherché dans les rayons, je ne l'ai pas trouvé. Finalement, j'ai trouvé aux rayons euh, compote euh, et produits genre euh, gâteaux. Euh, vous savez, les trucs pour faire les gâteaux, là, les crèmes, euh, les, les crèmes pistaches, tout ça, tout ce qui est euh, aussi. Euh, les flancs pistaches, les flancs les flans vanille et tout. Et Aussi, bah, tout ce qui est euh, mont blanc et tout, donc j'ai retrouvé dans ce rayon là, mais j'ai cherché pendant voilà le temps, je la trouvais pas. Je oh, putain, c'est chaud. Voilà, et aussi, j'ai vu qu'ils avaient remis du foin, donc je vais virer le foin que j'avais mis de mon panier euh, au champ parce que là, c'est 2 euros, quoi, 1,98€ euh, le. 1,98€ le, le paquet, tandis au champ c'est 2,50€ le 1 kg pareil. Donc euh, je vais 2,25€ je crois, ou 2,50, je sais plus. Donc je vais euh, aller à Leclerc euh, le 5, chercher prendre 3 ou 4 paquets de foin. Et puis, euh, puis voilà, j'irai prendre 3 ou 4 paquets de foin au Leclerc euh, le 5, parce que le 5, je dois aller au Veto, payer ma deuxième mensualité. Arrête de le chelit. Payé ma deux ma troisième mensualité euh, du veto pour Canel, voilà euh, donc écoutez, je suis fracassée en face de Ma tête, j'ai une tête de zombie. Euh, demain, c'est la nouvelle lune, donc est-ce que je vais réussir à dormir cette nuit? C'est une autre histoire, mais sachant que je suis crevée, j'aimerais bien dormir. J'aimerais bien dormir, franchement. Euh, là, je sais que cette nuit, quoi, ouais. La nuit dernière, euh, j'ai lu. J'aurais pu me coucher beaucoup plus tôt, mais j'ai commencé à bouquiner. J'ai bouquiné une demi-heure. Je me suis perdue sur YouTube. Je vous l'expliquais dans mon vlog qui est paru ce matin. Parce que les vlogs para 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 paraissent avec euh, une journée de décalage maintenant. Euh, donc, euh, donc, je vais continuer à faire ça. Si j'arrive à faire des vlogs tous les jours, j'essaierai. Je, sinon, ça sera des vlogs sur deux jours ou trois jours. Ça, Plutôt deux jours comme je fais. Euh, toujours, mais euh, là je vais essayer de faire des vlogs un peu tous les jours, même s'ils ne sont pas longs. Mais là, euh, en général, ils font une bonne demi-heure. Mais de toute façon, euh, vous regardez que la moitié de la vidéo en général. Pas plus de, pas plus de 20 minutes sur une demi-heure. Donc, euh... vas-y, il bah, y a encore plus. Non, pas les choux. Hein. Regardez-moi, j'étais amoureux du petit chien. Il y a Muffin qui s'incruste. Viens mon chien. Viens mon bébé. Viens. Viens. Voilà. du bébé. Pas les chouilles. Pas les chouilles. Pas les chouilles. Non, non, non. Non. Donc voilà. Donc en tout cas, le psy, voilà. Demain, dentiste. Ça me fatigue. Donc je sais pas si demain, euh, je reprendrai le vlog. Je sais pas. Ça dépendra de, de ma bouche. Voilà. Parce que si je suis anesthésiée, ça va être galère, surtout qu'elle travaille sur les dents du haut. Donc je ne sais pas comment je vais réagir quand elle travaille de ce côté-là. J'avais juste le côté-là et la lèvre, à... la lèvre euh, endormie. Mais là, elle va travailler en haut. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Et il faut que je lui dise de euh, limer euh, ma molaire cacassée. Parce que j'arrête pas de me pincer la joue avec. C'est ce côté. Euh... Encore ça s'est calmé, ça hein. s'est un peu, un peu étoffé. Mais j'arrête pas de me mordre la joue, de me pincer la joue avec ce petit morceau de dent. Euh... Ouais, je suis assez, assez abîmée de la joue à ce moment-là. Voilà. Oui, mon petit Tu as une grosse tête, tu sais. Tu ranges ta langue, s'il te plaît. Oui, mon bébé. Oui, 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 oui. Donc j'ai pu euh, démouler une plaquette, euh, la dernière plaquette de mon oeil. Donc là, j'ai citron meringué qui sèche et fruit de la passion que j'ai fait cette nuit qui sèche. Euh, donc je pense que je démoulerai ça d'ici une heure et demie, une heure et demie, deux heures si je ne dors pas. Euh... <coughs> Pardon. Si je ne dors pas, j'essaierai de démouler ça. Et puis sinon, ça attendra demain. De toute façon, plus ça sèche, mieux c'est. Hein. Donc il faut vraiment que j'arrive à trouver une technique pour ne pas les casser en les démoulant. Voilà, ça c'est une autre histoire. Donc, il faudrait limite que je, excusez-moi, que, ah, excusez que je retourne euh, la plaque de moule, que je la retourne sur une, une surface dure et que j'arrive à la démouler sans la casser. Parce que là, je la démoulais en tenant dans ma main, mais trop fragile. Trop, trop fragile. Donc, je répète, euh, ces plaquettes sont au prix, quoi, ces tablettes sont au prix de 6,50 € pièces euh, voilà donc dès que je peux dès que je peux démouler après je ferai euh, mustella et adoucissant voilà j'en ferai trois de chaque puis euh, puis voilà donc euh, là je, je bosse et puis euh, donc, euh, donc voilà donc je vous dis à toutes il est 23h09 comme vous voyez je ne dors pas je sors tout juste de la douche mes cheveux ont un peu plus de tenue voilà c'est si déjà mieux j'ai mis euh, ma crème hydratante euh, euh, autobronzante. Donc on verra ce que ça donne. Parce que j'ai l'impression que le hâle, il ne dure pas longtemps. Euh, donc là j'ai mis, normalement c'est effet dans une heure environ. Là je viens juste de mettre, je suis encore un peu, un peu poisseuse. Euh, oui, je suis un peu essoufflée parce que prendre une douche ça fatigue. Puis mettre sa crème ça fatigue aussi. Donc je ne dors pas. Je ne suis pas fatiguée. J'ai passé presque deux heures au téléphone avec Jeanne. Puis après, euh, peut-être 45 minutes en cam avec Le canal essaie de monter sur le lit. Ouais, super mon cher. Euh... Qu'est-ce que t'as mon bébé Donc voilà. Donc j'ai fait le montage du vlog aussi. Euh... Donc je vais pouvoir le publier pour demain 8h. Voilà, vous comme vous savez, vous avez les vlogs en décalé. Euh, donc ça sera encore une journée avec moi voilà j'ai je tiens encore une journée en même temps j'ai blablaté 20 minutes euh, cette nuit quoi la nuit dernière j'ai blablaté 20 minutes donc euh, donc ça devrait aller j'ai facilement une demi heure de rush euh, j'ai très peu de, de cut très peu de cut donc muffin s'il te plaît j'ai oui une pâte d'accord non muffin muffin non j'ai très peu de cuts, donc ça va. Le montage se fait assez rapidement. Vous avez une grosse tête de petit couillon. Ma fille, s'il te plaît, arrête. Arrête Je dis que j'ai très peu de cuts, mais s'il continue comme ça, je vais devoir couper. Voilà. Donc, voilà, donc je pense que je vais clôturer le vlog ici. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la cloche pour plus de notifications et je vous dis à tout dans un prochain vlog. Salut